Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Jean est par excellence le prophète de l'Avent. C'est lui qui nous a accompagnés toute cette semaine, avant que nous entrions, demain, dans la semaine préparatoire à Noël. Jésus reconnaît que les Juifs ont accueilli l'invitation de Jean à la conversion et au baptême. « Vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. » Mais Jésus rappelle aussi que cet engagement à la conversion a ressemblé beaucoup plus à un feu de paille qu'à un engagement fidèle et durable. Cela n'a duré qu'un moment. Pendant ces 3 semaines de l'Avent, nous avons pu, sans doute, entreprendre des démarches de conversion, où nous avons pu mettre en œuvre des petites décisions concrètes. Eh bien, nous pouvons aujourd'hui faire le point sur ce que nous avons vécu pendant ces 3 semaines et demander au Seigneur cette belle grâce de la fidélité et de la persévérance.